Eh bien, salut à tous et à tous les gars, c'est Micro. Comment ça va les gars? Moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec le Sportclub Freiburg. J'ai un petit trou au niveau du combattième épisode 18, si je dis pas de conneries. 18, à l'heure où je vous parle, c'est samedi, l'épisode vient de sortir. Donc, j'ai pas forcément eu vos retours en commentaire, mais étant donné qu'il n'y a pas trop de mercato. Je me suis dit, c'est bon, je peux déjà le tourner, je prends un petit peu d'avance sur le programme, comme ça, je suis pas dans le dur. Aujourd'hui, on continue notre aventure avec le Sportclub. Hein. Fantastique aventure, saison 2. Hein. Après avoir fait l'exploit contre le Barça, on va se le dire, on a fait un exploit contre le Barça. On va continuer, c'est vraiment focus championnat dans cet épisode. Avant de commencer à parler du calendrier, je vous inviterai à liker, commenter, partager et vous abonner. Parce que c'est vraiment très important pour moi, pour la motivation, pour qu'on reste au taquet. Jusqu'à la fin de ce FIFA, d'épisode précédent, nous avions gagné 2-0 contre le Barça au Camp Nou, gagné 2-0 contre Augsbourg, victoire 4-1 contre Leverkusen. Donc on peut le dire que nous avions fait un épisode presque parfait. Hein. On va pas se le cacher, c'était un très bon épisode. On aura Hanovre qui va quand même peut-être un match... Voilà, on avait quand même perdu contre Hanovre, hein, je vous rappelle, à la HDI Arena. Donc, c'est important de se rattraper. Après le Bayern Munich, nous aurons le Hertha Berlin. Et nous terminerons par la simulation. Ou peut-être qu'on jouera, on verra. On verra le temps de vidéo, etc., etc. Ou peut-être qu'on montrera que les buts de ce match contre Mainz, étant donné que j'ai pas mal de temps. On peut se faire plaisir. Donc voilà. Au niveau mercato, parce que je vous rappelle qu'on était sorti du mercato. On était sorti du mercato il y a deux épisodes. Nous avions, je vais vous le rappeler, une petite touche de rappel, parce que c'est quand même un petit moment aussi que je n'ai pas tourné. Nous avions vendu Schmidt, nous avions vendu Lienard, nous avons acheté gratuitement pour la saison prochaine Thomas Müller. Nous avions été recruter Marvin Friedrich en défense centrale, le joueur de l'Union Berlin. Et puis Diogo Demme qui était arrivé pour renforcer notre milieu de terrain. Et devant, le retour de Florian Niederlechner de Augsbourg, qui était le meilleur attaquant d'ailleurs du club de Bavarois. Si je dis ouais, Bavarois, Augsbourg. Et donc voilà, vous le voyez, il y a une composition plus qui s'est ajoutée. Je me suis permis de préparer une composition un petit peu spéciale que je jouerai contre le Barça, étant donné qu'on a gagné 2-0 à l'aller, qu'on va jouer très défensif. C'est vraiment la composition défense. Et celle-ci est vraiment très intéressante. On va très certainement la jouer contre le Bayern. Mais avant cela, on a un match très très important contre, je l'ai dit, Hanovre. Il ne va pas falloir se louper. Hanovre qui est très clairement une équipe du bas de classement. Et nous, l'objectif, eh bien, c'est de remonter encore un peu au classement. Actuellement, nous sommes 6e. Je vous montre le classement tout de suite. Actuellement, on est 6e. Voilà, hein, vous le voyez, Hanovre, hein, avant-dernier, qui nous avait quand même battu. Donc, il y a quand même l'envie d'avoir un peu de revanche, là. Nous sommes donc 6e. L'Eintracht est devant nous avec 1 point. 3 points d'avance pour Leipzig. Le Bayer Leverkusen qui est à 49 points. Munich est, je pense, déjà inarrêtable. Donc, on aura un match très important. Je vous rappelle qu'on avait quand même fait 3-3 à Munich quand on les avait affrontés. On aura à cœur de faire une bonne prestation contre eux. Mais d'abord, on a un match très important. Donc, je vais aller faire les compos et je vous retrouve tout de suite. Allez, on y est. On est au Schwarzwald. Et oui, au Schwarzwald. Pour ce match extrêmement important. Puisque on affronte quand même l'avant-dernier. C'est ce genre de match où quand tu les perds, t'as la haine, tu vois. Et quand on a perdu à 9-3-2, rappelez-vous un petit peu du match. Hein. J'avais pris quand même un but très très simple, hein. Je me rappelle. On avait vraiment le seum de ouf. Alors aujourd'hui, Hanovre est dans le dur très clairement en Bundes. Nous, on va bien mieux depuis quelques matchs. Mais voilà, on a quand même un épisode avec 4 matchs de championnat. 12 points à prendre, il en faut le maximum. Il faut 12 points, ce serait exceptionnel, c'est-à-dire qu'on battrait le Bayern. Mais on n'en est pas encore là. La composition de Freiburg avec Florian Müller au but, Friedrich Heinz et Weber pour la défense, Vassilidis Thomas, Salai et Piliter, Griffo en 10, et puis devant, Niederlechner et Berisha. J'aime beaucoup notre défense, je suis content. Weber, Heinz, Friedrich, je trouve ça quand même la gueule pour une défense dite bis. Friedrich, ce sera son... Marvin Friedrich, c'est son deuxième match avec Freiburg. Puisqu'il vient d'arriver, il avait joué un match dans l'épisode précédent, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on est parti les gars.
pour ce match extrêmement important. J'espère vraiment qu'on sera capable de déjà de pas douter, parce que c'est sûr ça la difficulté contre ces petites équipes, c'est qu'elles nous font douter souvent. On manque de réalisme, on a de la peine à marquer, et puis derrière on regrette beaucoup nos actions manquées. Et j'espère qu'aujourd'hui Niederlechner et Berisha sont chauds et qu'ils seront capables de terminer les occasions que l'on aura. Allez, avec Heinz qui peut. Ah, ça s'est bien joué. Ouais, c'est super bien joué ça. Avec Roland Salaï qui peut aller centrer pour le Sport Club. J'ai été surpris de voir cette balle tomber sur Griffo, dommage. Sur la balle sur le côté, Yaiter qui est bien revenu défendre et qui peut relancer pour Vincenzo Griffo. Qui dans un rôle de numéro 10, c'est assez intéressant l'Italien. Vassiliadis qui peut tenter sa frappe, captée par Tiller. C'était pas cadré. 26e minute de jeu, on n'a pas vraiment de véritable grosse action, mais on a le ballon. Ça, c'est clair qu'on a le ballon, mais on a de la peine à trouver des possibilités de tir pour le moment. Avec là, Roland Salaï qui peut aller sur Vassiliadis. Thomas qui a l'appel de Niederlechner. Niederlechner, il est passé. Le voici, Florian Niederlechner, qui inscrit là son premier but au Schwarzwald depuis son retour. Et ça fait plaisir pour l'ancien attaquant d'Augsbourg. Très belle frappe. Très belle frappe. Griffo qui arrive à mettre à Niederlechner, qui passe devant le défenseur central. Et après, il fait le nécessaire pour transformer cette occasion. L'attaquant de 30 ans qui inscrit déjà son deuxième but depuis son retour et son septième en Bundesliga avec les buts qu'il a mis à Augsbourg. Il fait quand même une bonne saison et ça fait donc 1-0. Thomas. Allez, ça c'est bien joué, le 1-2 dans l'axe avec maintenant Berisha qui peut quand même la mettre à Roland Salaï. Il y a la possibilité d'aller sur Vincenzo Griffo, le deuxième du Sport Club, Vincenzo Griffo au bon endroit, magnifique action. Et le Sport Club qui inscrit là le deuxième but par l'intermédiaire de Vincenzo Griffo. Et tactiquement ce but est magnifique, on va le regarder ensemble parce que regardez, il part quand même de nos bases, hein, donc... On récupère le ballon sur cette interception ici avec Heinz. Donc voilà, on remonte tranquillement le terrain. On va d'abord sur le couloir gauche. Et puis voilà, notre défense, nos trois défenseurs, il y a une qualité dans tous les défenseurs qu'on achète. Et ça, c'est quand même un critère que je regarde bien, c'est les caractéristiques de passe. Parce qu'il est vrai qu'avoir un défenseur central qui ne laisse passer zéro ballon, c'est bien. Mais un défenseur qui ne sait pas relancer, c'est une catastrophe. Et ça, c'est la qualité. Alors Thomas joue très très bien. Et là, regardez, là, il y a une petite accélération à 1-2 entre Vassiliadis et Griffo qui peut aller chercher Niederlechner qui met pourtant une balle à contre. Il prend un contre-pied complètement Berisha, mais il arrive quand même à la glisser à Roland Salaï qui prend le couloir. Et regardez, au milieu de terrain, ça ne suit pas. Et puis, bon, il est clair qu'il est à 16 mètres, Griffo. Il ne peut que fusiller le gardien, mais c'est là où on voit que, voilà, quand vous gardez le ballon, si vous allez vraiment. Vous essayez de passer par la droite, vous ressortez bien avec la défense. La défense a un rôle pour moi. Tactiquement dans ce FIFA, les défenseurs ne sont pas là que pour défendre le but et empêcher les ballons de passer. Non, ils ont vraiment un aspect à la relance qui est tellement important. Et ce qui est intéressant dans la composition qui est celle que l'on utilise avec ce 3-5-2, c'est vraiment ces défenseurs centraux à la récupération du ballon. Eh bien, ils doivent vraiment écarter le jeu et être très bons en relance pour pouvoir permettre à votre équipe déjà d'évoluer avec un joueur supplémentaire, une solution haute supplémentaire, mais surtout avoir la possibilité de jouer entre eux. Il y a le gardien, Chvolo joue très très bien au pied, enfin Müller aujourd'hui joue très bien aussi au pied, et ça vous permet clairement d'éviter d'être contraint de dégager. Voilà, si vous dégagez, pour moi, c'est que vous avez mal géré votre truc, parce que vraiment, dans une composition, si vous posez bien les bases de votre composition, comme je le fais avec cette tactique qui est vraiment d'écarter à la récupération du ballon, eh bien, vous avez de toute façon des solutions. Entre les couloirs, entre les milieux de terrain, entre votre gardien qui est encore en soutien, vous ne devriez quasiment jamais dégager avec cette composition. Voilà mon avis. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, ça se passe assez bien, 2-0. Contre une équipe pourtant de Hanovre qui nous avait posé tellement de problèmes lors de notre premier affrontement, ben, ça se passe pas mal. Roland Salaï.
Le centre très fort. Oh là là, Niederlechner est au bon endroit. Florian Niederlechner qui vraiment fait pour le moment un match presque parfait. Il manquerait plus qu'il ait la trique. Très beau but de Florian Niederlechner. 3-0 pour le Sport Club. Bien joué de la part de Sarin qui met une superbe balle. Regardez la défense qui ne suit pas trop. Et Niederlechner qui peut prendre tout son temps pour faire une magnifique reprise de volée et battre Tiller pour la troisième fois dans ce match. 3-0 pour le Sport Club. Et cette équipe comme ça, elle a de la gueule. Et j'aime beaucoup l'apport de Vincenzo Grifo en tant que numéro 10. Je le trouve très intéressant. Plus intéressant que quand on le met sur le couloir parce qu'il a vraiment... Il n'a pas une énorme pointe de vitesse, Grifo. C'est pas son point fort, la vitesse. Par contre, il a une qualité de passe et un contrôle au niveau du ballon. Techniquement, il est très bon. Et je me dis que peut-être Robinarc sur un couloir qui a plus de vitesse peut apporter quelque chose de plus intéressant. On verra par la suite. Mais en tout cas, Grifo, super intéressant aujourd'hui. Attention quand même à ne pas s'en prendre un. Ce serait dommage. La parade, j'allais dire non, le poteau de Hanovre. Allez, victoire 3-0 les gars, victoire 3-0 contre Hanovre, belle prestation, victoire solide de nos garçons, on commence bien l'épisode, pas trop de difficultés en soi, on va aller directement à l'interview, Hanovre a tiré deux fois, dont la reprise de volée et le poteau, malheureusement pour eux, ils n'ont pas du tout été capables de rééditer le même exploit qu'ils avaient fait lors du premier tour contre nous, donc... On peut le dire, on a battu notre bête noire. Alors, les questions. Avec deux buts et une victoire, Niederlechner est élu homme du match. Un très bon match de Florian Niederlechner, qui en plus est de rotation dans l'équipe, donc c'est parfait. On est invaincu dans la compétition. On est capable de rester invaincu. Par contre, on a quand même un gros morceau qui arrive avec le Bayern Munich. Voilà. Nous, on n'a pas de conseil pour l'adversaire. Chacun son équipe. Voilà, on ne va pas me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont dans la difficulté. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Écoutez, travaillez et puis persévérez. Voilà, c'est tout. Hein. Nous, on gère notre équipe. On vous laisse gérer la vôtre. Voilà, avec cette victoire, on a un peu de pression sur Francfort puisqu'on passe devant eux avec un match d'avance. On va tout de suite stopper de manière à ce que je monte les entraînements. Voilà, on montre. Tac, les entraînements avec de la progression de part et d'autre un peu partout, c'est très bien. Et donc là, on a un match extrêmement important. On va prendre le risque de jouer avec la nouvelle composition. À savoir que j'ai encore jamais joué avec. C'est une composition qui est très défensive. C'est compliqué. C'est compliqué de faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vrai que le Bayern, on les a quand même battus dans cette composition-là. Hein. C'est quand même une équipe qu'on a su battre à plusieurs reprises. Et je me dis... On jouera contre le Barça comme ça. Mais pour un match simple où on a vraiment la possibilité... J'y crois vraiment à la victoire. Rappelez-vous, hein, la saison dernière, quand le Bayern était venu au Schwarzwald, on les avait tapés 3-0. Hein, tout en jouant en contre-attaque, mais on les avait quand même tapés 3-0. Donc on va espérer faire le même exploit. On va... Malheureusement, Vassiliadis ne sera pas là. Vous savez que j'adore Vassiliadis, l'apport qu'il a. Hein, mais... Démé est un peu le même style que Vassiliadis, donc ça ira très bien. Pour ce qui est de la défense, je vais quand même prendre la décision de mettre Robin Kaur au milieu de terrain. Et puis Khedira gérera notre défense. Khedira est très bon physiquement, mais il est extrêmement lent. Et j'ai besoin d'un Kaur qui peut gratter à droite à gauche. On va prendre avec nous Kwan. Nous allons encore... si je me réfléchis un petit peu, on a Arc qui est frais, qui va pouvoir rentrer. On va aller comme ceci sinon pour le reste. Donc l'équipe, vous l'avez sous les yeux. On va se retrouver pour la composition du Bayern Munich. A tout de suite. Allez, on y est les gars. L'hymne de Freiburg qui retentit, qui donne de la force à notre équipe. Parce que là, c'est le gros match. Alors l'équipe du Bayern, on la connaît bien en soi. Hein. On les connaît, on les a affrontés je ne sais combien de fois cette année. On les a déjà affrontés deux fois en championnat, une fois en coupe, où on a quand même été capable de les éliminer, je vous le rappelle. On sait, bon voilà, il y a du Ousmane Dembélé, il y a du Sergio Ramos, hein, on les connaît à force, hein, il y a du... comment il s'appelle l'Italien sur le couloir, hein, ça va me revenir en voyant la composition bien sûr du Bayern Munich, mais voilà. Il y a une très belle équipe. Bref, je vous redis notre composition. Schwolo avec Günther, Khedira et Anton. Kordemé, Maina Mittelstädt, Götze, et puis devant Waldschmidt, Lozek,
une équipe, depuis qu'on est passé dans ce dispositif, qui n'a jamais perdu. Je tenais à le dire. Merci à Mertens, mon abonné, qui me l'avait conseillé. 9 euros but chez eux. Ramos, Alderweireld, Zappa, Costa, merci Hernandez, Kimmich, Tolisso, Koke. Et puis devant, Lewandowski, Perez et Dembélé. Je trouve. Ils ont quoi sur le banc? Morata, ils ont Sidibé, ils ont Süle. Süle, moi j'aurais mis Süle titulaire personnellement. Mais après, c'est mon avis. Allez, on est parti au Schwarzwald pour cette confrontation contre le Bayern de Munich avec, on l'espère, un résultat positif à la clé. Je vous rappelle hein, qu'il n'y a pas de Ligue des Champions dans cet épisode et c'est vraiment le gros match. Ce match contre le Bayern, le Zeng Waldschmidt. Eh bien voilà, on n'a pas le temps de commencer à commenter ce match, qu'il y a déjà le 1-0 qui tombe. Le Bayern n'a pas touché le ballon, ça psychologiquement ça fait mal. Débordement de Mittelstädt, le centre magnifique. Je sais pas comment Lozek remet la balle à Waldschmidt, mais en tout cas, Tony Alderweireld, il ne tient pas du tout notre numéro 11, qui prend le temps d'amortir et de faire une frappe en pivot pour ouvrir le score pour le Sport Club. Et ça fait déjà 1-0 dans ce match. 12e but pour Waldschmidt en Bundesliga, qui fait très clairement partie des meilleurs buteurs du championnat. Et donc 1-0, le Bayern eh bien, n'a pas commencé et est déjà dans le dur. Qui intercepte, très bon début de match de Sami Khedira. Là. Oh là 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 là, les Français se sont laissés, il y a un 3 contre 1 à jouer, faut pas se louper, Maina, le centre s'est dégagé. Quelle possibilité, il s'était complètement raté le défenseur, il avait suivi Maina, il a su pivoter pour lui passer dans le dos, et ça aurait été dangereux, la possibilité, oh là là, faut marquer là. Et oui! On est chaud, on est très très chaud, 2-0, Mario Götze qui inscrit là déjà son 8e but de la saison, si je dis pas de conneries. Et là on est bien, oh là là là, on est bien. Le Bayern... Regardez, le Bayern a qui... Oh là là, mais le milieu de terrain, c'est qui ce milieu? C'est Kimmich? Ou c'est Ramos? Je sais pas qui c'est. Mais alors, il lâche mais complètement le marquage. Et Götze, Götze c'est le phénix. Hein. Cette année, Götze, c'est un phénix puisqu'il renaît de ses cendres, réellement. Catastrophique au Bayern. Un test complètement raté là, du côté de Dortmund. Il arrive gratuitement chez nous. Et franchement, il fait une super saison. Alors, pas plus d'ambiance que ça dans notre stade. Pourtant, on est en train de gagner 2-0 contre le leader. Mais voilà, pour le moment, c'est un match parfait qu'on est en train de faire. C'est pas possible, avoir d'autant de trous dans une défense, c'est pas possible. Lozek pour le troisième. J'ai l'impression de revivre le match au Schwarzwald de la saison dernière, 3-0 pour Freiburg. À savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a un certain Freiburg, Bayern Freiburg. Le Bayern est champion, j'espère vraiment que Freiburg sera capable au moins de ramener un point de Munich. Mais si ça se passe comme ça, on signe tout de suite, hein, Lozek, lucide, qui met une petite balle à côté de Neuer, qui ne peut rien faire, et qui inscrit là déjà le troisième. Et ben le Bayern, qui pour le moment prend une claque, ils prennent une claque ici au Schwarzwald. Ok les gars, c'est la mi-temps ici au Schwarzwald. Pour le moment, c'est un match parfait. On gagne 3-0 contre le Bayern. À croire que c'est le quota... C'est le quota habituel pour eux quand ils viennent au Schwarzwald, c'est se prendre 3 buts. Hein. On mène 3-0 contre le leader. Ça veut tout dire. Voilà, on avait fait, rappelez-vous la saison dernière, un deuxième tour exceptionnel. Notre deuxième tour part très très bien puisqu'on est en train de simplement faire une prestation parfaite, en tout cas dans ce match contre le Bayern, mais surtout dans l'ensemble de nos résultats, on est invaincu, on perd quasiment on perd pas. La dernière défaite remonte à Hanovre, donc c'est positif. Allez. Oh là 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 là, Maximilian. Qu'est-ce qu'il nous fait, le petit Maximilian, là? Oh, il est passé. Oh là là. Oh là 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 là. 4-0. On est en train de faire un truc de fou. Götze pour son doublé. C'est quand même symbolique pour lui de marquer deux buts aujourd'hui. Il affronte quand même son ancienne équipe, Maximilian Mittelstädt, qui écœure l'attaquant. Il y a quand même de gros trous défensifs. Il y a quand même de gros trous dans la défense du Bayern. Et Tommy Alderweireld et puis Sergio Ramos, c'était pas la bonne paire aujourd'hui. Quand je vous dis, j'aurais mis Süle personnellement, mais voilà. En tout cas, on aura entendu le Torhymne de Freiburg. 9e but pour cet homme en Bundesliga.
Et surtout, 4 à 0 à la 56e minute de jeu. Et ben là, on n'a pas été loin de se la prendre sur cette erreur. Harp qui aurait pu marquer, mais qui tire dans le petit filet de Chevolo. C'était tendu, c'était très tendu. On va faire des changements, nous. On va faire rentrer mon petit Arc sur le couloir. Coin de l'autre côté. Hein. On sait que les latéraux sont très importants dans cette composition. Et puis, on va... Ah, c'est dommage, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Mais bon, du coup, on va faire ça comme ça. On va ressortir Core. Et on va faire remonter Khedira au milieu de terrain. Et puis, Günther prendra une place... Sur la droite, Anton, qui a largement le niveau pour manager cette défense, prendra la place dans l'axe. Allez. Allez, on va certainement vivre les derniers instants de ce match. Dégagement de Chevolo. C'est fini. Victoire 4 à 0. Et bien, en deux saisons, le Bayern, quand ils viennent chez nous, ils ont pris 7 buts. Ils nous en ont jamais mis un. C'est... Alors voilà, à vous de juger. C'est clair que c'est un score... qui est pas du tout attendu, mais ouais, on avait fait 3-3 chez eux et là on les a simplement explosés. C'est parti très très fort, hein, avec le but de Waldschmidt au bout de 2 minutes de jeu, qui de loin n'a pas aidé les affaires du Bayern, mais on s'impose 4-0. On est toujours invaincu. On va pas se le cacher, on est déçu du Bayern aujourd'hui, déçu parce que je m'attendais à un match serré, à un match. Alors c'est clair, hein, on gagne 4-0 à ce rythme-là. Si on gagne tous nos matchs comme ça, on est champion. Mais c'est juste que je m'attendais à mieux du Bayern. Je m'attendais à plus de confrontations. Alors, à l'interview, qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Si on est toujours invaincu, Götze, héros du match. Il a été impressionnant et il renaît de ses cendres. C'est un phénix, Götze, c'est un phénix, comme j'aime bien le dire. À savoir que c'est un phénix sur le logo de Freiburg. Hein, donc voilà. Ah, la fameuse question de l'invincibilité. Oui, on est capable de faire tout le deuxième tour sans perdre. Je l'annonce, on en est capable. Ils ont été surpris, ouais, ils ont été surpris déjà de... Ils ont été surpris, ils n'ont pas touché le ballon qui avait déjà 1-0. Psychologiquement, ça fait mal. Et puis, bah, voilà, ils ont pas du tout assuré derrière. Défensivement, c'était pas bon. Et on s'est imposé facilement, voilà, avec cette victoire. Au bout de 24 journées, nous avons 47 points, ce qui est très bien. Et nous sommes revenus un petit peu sur le Bayern, mine de rien. On grappille des points au Bayern. On est toujours très loin, mais on est derrière Francfort. On a passé devant Leipzig, à voir aussi les prestations de Leipzig, puisqu'ils ont un match de retard, mais c'est encourageant pour la suite. Deuxième défaite du Bayern, à savoir, hein, cette saison, en championnat. Donc voilà, on a toujours ce rôle d'équipe qui vient stopper des belles séries ou autres. Donc ça fait plaisir, ça. Nous avons donc le prochain match, ce sera contre le Hertha Berlin. Je vais donc faire la composition. On va se retrouver tout de suite en direct de Berlin pour les compositions à l'Olympic Stadium. C'est parti. Allez, on y est, les gars. L'hymne du Hertha qui retentit dans ce stade olympique. Le Hertha Berlin au milieu du classement qui en réalité vient de perdre d'ailleurs contre Freiburg 2-1 en championnat. Donc on espère que ça va le faire pour nous. Qui est-ce qu'on a? Alors on a déjà du Bender avec le numéro 35, je l'ai reconnu. Je ne sais pas si c'est Lars ou si c'est Sven. Mais il y a un des frères Bender dans cette équipe du Hertha qui a été acheté. Donc voilà, il y a Piatek devant toujours. Hein. Alors, on va voir ça. L'équipe du Hertha Berlin aujourd'hui avec Kruber au but. Avec Bender, Boyata, Corona, et puis Davis, Akskazibar, Touzar, Virusun, De La Cruz, et puis là j'ai pas lu de l'autre côté, puis avec Piatek devant, c'est qui l'ailier de l'autre côté? Leski, à quoi sur le banc? Ils ont du Maier, Cunha, donc ils ont quand même du très très bon élément sur le banc. De notre côté, on a mis Florian Müller au but avec une défense Heinz Friedrich, Weber, Vassilia Distoma, Arc, Mittelstädt, Griffo, et devant, Waldschmidt, Berisha, Waldschmidt qui enchaîne un peu les matchs. Il n'est pas trop fatigué. Sur le banc, nous avons du Niederlechner qui va très certainement venir remplacer Waldschmidt au cours du match. Il ne faut pas croire que ça va être facile aujourd'hui parce qu'on a battu 4-0 le Bayern. Allez, allez, c'est parti, on va les exploser. Non, moi je pense que ça va être un match très équilibré face à une équipe du Hertha qui a besoin de points parce que j'ai été regarder leur classement. Ils ne sont pas encore sauvés. Hein.
Ils sont pas encore sauvés de la relégation. Alors, ils sont pas en danger, mais ils ont encore quelques points à faire. Et je pense qu'on peut s'attendre à une équipe du Hertha solide. En tout cas, j'aime beaucoup le milieu de terrain, Skazibar. J'aime beaucoup ce garçon qui a, je trouve, un bon petit potentiel. Donc voilà, allez, on va rester concentré. On a quand même des joueurs qui enchaînent un peu les matchs, tout comme Mittelstädt, tout comme Waldschmidt justement. Mais pour moi, ils ont pas dans le besoin de se reposer plus que ça. Ils ont quasiment toute leur énergie. Et ça va le faire. Allez, avec la première balle sur Robin Arc qui peut chercher Berisha. Ah, la perte de balle. Avec Waldschmidt. Attention maintenant à la rupture. Le 1-2 qui est très bien joué. La balle dans l'axe. La frappe. La parade de Florian Müller. Là, voilà. La première possibilité pour le Hertha dans ce match. Attention quand même. À pas trop les laisser jouer. Ouh, la barre transversale. Ouh, la barre transversale. Elle avait l'air anodine, cette balle. Cette balle piquée. Et finalement, elle aurait pu passer. Attention quand même. Début de match un peu compliqué pour Freiburg. Oh là, voilà là, peut-être la possibilité pour Freiburg. La parade exceptionnelle du portier Köber. Oh, la frappe de Berisha. Je pensais qu'elle était au fond. Dommage. Grosse possibilité là. Grosse possibilité pour Freiburg. Et très bonne intervention derrière de Heinz qui en plus gagne le ballon. Allez, on va jouer un peu plus offensif là dans cette deuxième mi-temps. On n'a pas été capable d'ouvrir le score. On manque un peu d'idées. On va pas se le cacher. Par contre, la perte de balle, là, c'est pas bon avec Touzard. Touzard est hors-jeu. Excellent retour de Heinz. Et on peut repartir maintenant avec Robin Arc. La balle. Le centre. Et la défense qui dégage. L'action était belle. L'idée était bien faite. Malheureusement, ça passe pas. La balle qui est récupérée maintenant. Oh là 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 là. Attention quand même. À pas se faire surprendre là. Belle sortie de balle. Belle sortie de balle avec Kwan. La balle devant, bien joué Kwan. Oh, la font marquer, s'il vous plaît. La parade de Köber, c'est pas possible. Berisha a quand même pas mal d'action dans ce match. Hein. Oui, c'est bien joué. Oui, les gars! Wunga, Florian Niederleichner, 83e minute de jeu. Oh là 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 là, j'étais concentré. Magnifique, superbe but de Florian qui délivre notre équipe. Berisha, je me suis dit, c'est soit je tire, soit je la mets dans l'axe. Et l'action est très belle. Florian Niederleichner qui libère son équipe. 1-0 pour le Sportclub ici à Berlin. On a eu de la peine dans ce match. Mais enfin, on arrive à marquer. 9e but pour Florian Niederlechner, pardon. On va redescendre en défensif. Il reste 6 minutes. Mais enfin, on passe devant. On a mis une petite clim dans le stade olympique de Berlin, puisqu'il n'y a plus un bruit. Allez les gars, victoire ici à Berlin. Victoire extrêmement compliquée, puisqu'on s'impose que 1-0 sur un but de Florian Niederlechner à la 83e. Ça a été difficile, mais les hommes de Joachim Löw l'ont fait. C'était de loin pas le match le plus spectaculaire de cette vidéo. Très peu d'action, vous le voyez, hein, 4 tirs chacun. Et nous, on a fait la différence sur une super action en fin de match. Très très bonne perf malgré tout, parce qu'on continue notre montée en avance. C'est, pour le moment, on est pas mal. Pour le moment, on est à 3-9. Il y a le dernier match. Contre, c'est quoi, c'est Mainz le dernier? Faudra pas se louper. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On est invaincu? Oui, nous sommes invaincus. Et on fera tout ce qu'il faut pour continuer à l'être. Allez, on est tourné sur notre prochain match. On va un peu oublier la prestation d'aujourd'hui parce que je ne l'ai pas trouvé exceptionnelle de nos garçons, même si la victoire est au bout, voilà. Est-ce qu'on a douté de la victoire? Oui, on a douté, oui, très clairement. Même si ça fait baisser le moral de l'équipe, on a douté de la victoire aujourd'hui puisque cette équipe du Hertha nous a bien tenu. Et nous a bien tenu tête tout au long de ce match. Donc oui, on a douté de notre capacité à nous imposer. Alors, avec ce résultat, nous sommes 4e désormais. Nous remontons de plus en plus au classement. On a quand même 6 points de retard désormais sur un Bayer Leverkusen, 7 sur un Dortmund et 12 sur un Bayern. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. On va simuler ce match. Ces entraînements, pardon. Avec Robin Arc qui prend un plus 1. Très bien. Très bien. Et puis, je vais donc vous faire un petit kiff. Je vais moi-même jouer le match
contre Mainz. Je vous montrerai uniquement que les buts. Comme ça, vous avez encore un petit résumé du dernier match de la vidéo. Il n'y aura pas de simulation hein, aujourd'hui. Bah oui, bah voilà, ça fait plaisir. Des fois, on fait des petites variantes. Et la semaine prochaine, il y aura le Barça. Il y aura Gladbach. Il y aura Düsseldorf et il y aura Wolfsburg. Donc vraiment, on aura un très, très beau programme. Et vous le voyez, là, on aura double match contre Dortmund en demi-finale et en championnat. Et après, ben, vous le voyez, hein, ça va aller très, très vite. Et on sera rapidement à la fin de la saison 2. Donc d'ici 3-4 épisodes, nous serons à la fin. En pensant qu'il y a Ligue des Champions qui vont encore se caler au milieu. Donc voilà. Je vais vous montrer quand même la compo. Je vais la faire sous vos yeux. Comme ça, vous avez quand même un peu une idée de quelle manière dont on va partir. On va jouer nous en violet, exceptionnellement. Et on va donc jouer avec la composition suivante. En pensant qu'il y a quand même un match extrêmement important après hein, le Bayern. Donc Schwolo au but, on va mettre le petit Robinarc, je vais laisser Waldschmidt, je vais pas mettre Lezec, je vais mettre Niederlechner qui a fait un épisode exceptionnel lui, Niederlechner, Götz qui sortira pour Griffo durant le match. Nous allons au niveau de la défense faire jouer Weber titulaire. Cor sera de la partie. Je vais quand même prendre avec moi Heinz et puis Kedira à la place de Demé. Voilà comment on va aller. Une équipe qui change pas trop dans ses bases, elle est assez standard. On va se retrouver donc pour les buts de ce match contre Heinz. À tout de suite. Oh là 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 là, Waldschmidt. Luca Waldschmidt, là voilà la première véritable possibilité pour le Sportclub. Et le premier but de Luca Waldschmidt, 1-0 pour Freiburg sur une frappe magnifique de la part de notre numéro 11. Petite balle de Kedira qui permet à Waldschmidt d'aller à franchir cette terre. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'action dans ce match pour le moment. Mais c'est clair que Waldschmidt, ce genre d'action, il ne les rate pas. Il marque son 13e but en Bundesliga. L'Allemand. Niederlechner. La balle pour... Au penalty. Oh là 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 là, l'erreur. Mais l'erreur de la défense, parce que je joue complètement faux. Je pousse trop mon ballon. Et pourtant, le défenseur tacle quand même. Arc. Et c'est rouge. Ah bah oui, hein. il est en position de dernier homme. Et donc la possibilité pour Berisha, il me met. Est-ce qu'on va faire tirer Berisha? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un changement. Ok, ils font un changement. Ils font un changement, ce qui est logique. Allez, Berisha. Qui marque? Allez, Mergim Berisha pour le deuxième. Qui va très certainement sceller la victoire de Freiburg. Et je pense qu'on part pour un 4-4 dans cet épisode. Ça fait plaisir, je crois que c'est jamais arrivé. Ah ouais, penalty est bien tiré. On l'aura entendu, l'hymne de Freiburg aujourd'hui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. 2-0 pour le Sportclub. Quaison qui marque. Le but de Mainz. 83e minute de jeu. Petite incompréhension dans ma défense. Et c'est cet homme, Robin Quaison, que je trouvais vraiment intéressant. Alors, il marque son 2e but de la saison. Après, il est dans une équipe qui est actuellement en bas de tableau. Hein, donc, c'est clair que les temps sont difficiles du côté de Mainz. Avec Berisha, l'attaque des... Ah, dommage, Niakate qui tacle bien, ça dégage. C'est fait. Victoire 2-1. Ici, au Sportclub. Enfin, au Schwarzwald, surtout, pour le Sportclub. Magnifique prestation de nos garçons. Qui confirme une seule chose, c'est qu'on est en très grande forme. Et on a rarement été aussi bon au niveau de la forme dans cette carrière. On a eu la bonne période durant le deuxième tour de la saison 1, mais là on est en très grande forme. Alors avec les résultats, j'espère qu'on va encore grappiller des points. Le Bayern qui a battu Schalke. Et là, vous voyez que c'est la Champions après. Hein, donc... Les choses sérieuses, on va d'abord faire les entraînements avant de clôturer ce bel épisode, hein, très clairement, avec le petit Schmitz là, qui prend encore des plus, notre pépite du centre de formation, qui très certainement partira, parce qu'il ne fait pas vraiment partie des plans, mais il rapportera quelque chose, ça c'est sûr.
Alors, déjà dans l'épisode de la semaine prochaine, pardon, nous aurons le Barça avec Gladbach, nous aurons Düsseldorf et Wolfsburg. Donc, un joli programme en perspective, c'est clair. Extérieur ici, ouais, on aura des matchs. On aura un seul match extérieur, on n'a pas eu un match extérieur dans cet épisode. Oui, on a eu le contre l'Hertha, mais on n'a pas eu de Torino venant de l'extérieur. Donc, voilà, ça peut arriver. C'est moins à rajouter au montage pour moi, c'est vrai, c'est bien, c'est cool. Mais ça fait toujours plaisir d'écouter les Torino. Donc, on aura le retour de ce match contre le Barça, où il faudra jouer, on va jouer défensif de toute façon. Et en Bundesliga, si on commence contre en bas, Düsseldorf, que l'on affronta dans la semaine prochaine, est en très mauvaise posture. Ensuite, nous avons Hanovre et Hambourg, qui ne vont pas très bien. Augsbourg se maintient, tout comme Mainz, qui a 25 points. Donc, un bon petit creux d'écart sur la barre. Le Hertha, qui est à la 13e place. Cologne, qui est à la 12e. Offenheim, un peu la déception, je pense, cette saison, avec leur 11e place, c'est pas terrible. Il y a toujours ces équipes un peu qui font des saisons en dents de scie. C'est vraiment des Schalke, des Gladbach qui des fois sont bons, des fois sont extrêmement mauvais. Donc voilà. Après, ben, l'Europe, elle se joue depuis la 8e place. Parce que 47 points pour le Werder, 47 pour Wolfsburg, 49 pour Francfort, premier européen, c'est pas mal. Ensuite, on a Leipzig qui a 50. Nous, on est là avec notre 4e place, avec un match d'avance. Avec nos 53 points, et puis on va voir ce qui va se passer en fin de saison. Vous le voyez, le Bayern est toujours leader de Bundesliga. Dortmund qui revient à 5 unités suite à notre victoire dans cet épisode face au Bayern. Mais Dortmund, il nous affrontera. On va affronter Dortmund dans 2 épisodes. Donc là, il faudra pas qu'ils n'auront pas le droit à l'erreur. Et puis le Bayern Leverkusen qui est 3e, qui est un très beau 3e. Voilà pour ce qui est de cet épisode. Avec le Sportclub Freiburg, je crois qu'on peut le dire, on a réussi notre magnifique série. Parce que là, 4 matchs, 4 victoires, c'était jamais arrivé sur cette série. Donc ça fait plaisir. Moi, j'espère que l'épisode vous a plu, que vous kiffez toujours autant mes vidéos. Je vous invite à lâcher un petit like, à commenter et à partager. C'est très très important pour le référencement de la vidéo, mais aussi pour ma visibilité sur YouTube. Si vous voulez être de plus en plus nombreux, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est... On est bientôt aux 1500 abonnés. Hein, oui, 1500, c'est quand même un chiffre vraiment gros. Donc voilà, merci à vous. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao les gars!